Mais ça, c'est. Voilà pourquoi les Congolais ne savent pas, même pas leur histoire. J'ai fait une révélation au Congolais, mais c'est connu, c'est banal, que De Brazza a violé une fille, une princesse vierge, en baie s'occupant du feu sacré royal. C'est un fait connu, mais comme les Congolais ne savent pas leur histoire, ça fait comme si au Bengali, il inventait quelque chose qui tombe du ciel. C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire que ça paraît inventé. Mais si on connaissait l'histoire, il y aurait d'autres faits. Je peux vous le dire. Ce n'était pas le premier acte. Et qu'est-ce qu'il a fait vers Okoye là-bas? Vers le Goué, lui de Brazza. Hein? Si vous voulez la petite histoire, je vous le dis. Et quand il les a fourrés, on barrait la route à De Brazza. Ça, De Brazza a écrit même. Dans ses notes de voyage, De Brazza a écrit la résistance sur la ligne. Mais il n'a pas tout dit non plus. Moi, j'ai fait les enquêtes. J'ai fait les enquêtes sur le terrain. Je ne parle pas en l'air. J'ai été en B. J'ai fait les enquêtes il y a très longtemps. Il y a peut-être 30 ans. Les gens sont peut-être morts. J'ai fait les enquêtes en B. J'ai fait ces enquêtes. Je sais faire la quête des terrains. Je suis historien de métier. Je sais, c'est un métier. C'est comme d'autres sont militaires, d'autres sont médecins, d'autres sont ingénieurs. Moi, je suis historien. Je sais comment mener une enquête techniquement. Donc, ce n'est pas des choses à l'heure. Mais on ne dit pas tout. L'histoire, c'est émotionnel, c'est passionnel, etc. Je n'ai jamais dit que De Brazza était ceci. Je n'en enseignais même pas ça. Parce que, bon, ce n'était pas bien. Bon, maintenant, comme on va faire une pyramide d'un pharaon, ben, il faut donc savoir tout sur l'identité de ce personnage. Il ne faut pas dire que les historiens ne nous ont pas avertis. Hein, qu'on ne savait pas, on avait des grands historiens, eux, ils étaient complices, ils ne nous ont pas dit. Les générations futures risquent de nous reprocher. Ils disent, bon, les autres historiens, Benga, c'est un grand historien congolais, il savait ça, et pourquoi il n'a pas dit? Alors, maintenant que, on veut être quitte, quand on respectait De Brazza, bon, on le respectait, c'est un grand homme. Maintenant, si on veut en faire un pharaon, hein, lui faire une pyramide, hein, voyez-vous, alors, donc il faut que les Congolais sachent toute la vérité. Comme ça, les générations qui viendront d'ici l'an 2100, 3000 ans, parce que le monde vit, c'est pas là, on ne s'arrête pas l'an 2000 au 21e siècle. Hein. Il y aura le 22e siècle, le 23e siècle. Hein, ça continuera après nous, la vie. Donc il faut que les Congolais qui viendront dans 4000 ans, hein, et nous sommes en 2000, 4000 ans ça viendra, les Congolais sauront qu'au moins quelqu'un a dit ça. Et que De Brazza a violé. Alors si vous adorez ceux qui violent les filles au Congo, bon, adorons-nous. Mais par rapport à ce que vous avez dit là, vos enquêtes sur le terrain à propos de ce contact avec Makoko, avec les Bafouro, Oui. vous aviez quelque chose à nous dire en plus comme révélation aussi. Non, De Brazza. Vers le Goué. Oui, vers le Goué, là. Il a fait la même chose. Tu sais, le peuple Bateke habite les collines ou les montagnes, les collines, les altitudes. Tu sais, en général, quand on habite les hauteurs comme ça, là, par la force des choses, par la simple géographie, les gens sont souvent élancés et minces. Parce que ça permet une meilleure respiration. Tu ne vois pas les Massas, Les petits. hein, et les Tutsis et tout, tu les Massas, les gens qui courent les courses là. Kenyon, Oui, tu vois. Parce que or, quand une belle femme noire est lancée mince, c'est ça le type Bateke. En gros, c'est le type Bateke. Et dans les cours royales, elles ne font que se mettre du kaolin, faire des rituels, faire des maquillages. Tu vois, ça crée encore le mystère de la sexualité féminine. Ça renforce encore cette sexualité. Et De Brazza, hein, il n'avait pas de femme. Je me demande même s'il a été marié. Hein. Et il venait en aventurier. Or, il n'est pas le seul. Tous les aventuriers que vous appelez explorateurs, Stanley, Livingstone, Mungo Park, et les marchands, Baratier, et Lebrize,
Dolise et tous ces gens-là ont violé les femmes africaines, sans exception. Tous les fédèbres au Sénégal, sans exception. C'est ça la colonisation. Ils voulaient mépriser la femme noire, la dominer et la traiter comme une bête. Et ça, c'est un. Deuxièmement, la curiosité de la femme noire. Les fesses sont grosses, elle est ceci. Ils étaient curieux de savoir qu'est-ce qui ça se passe. Preuve. Vous connaissez le muséum d'histoire naturelle à Paris, là où on travaillait les Buffons, les Cuvier. Cuvier qui est l'inventeur, le père de l'anatomie. Hein? Avec la Vénus hottentote. Cuvier, oui. Ils ont pris une femme zoulou. Hein? C'était un topi. Oui, ils ont disséqué, enlevé ses organes génitaux femelles, étudié ça, et mis dans les bocaux au muséum d'histoire naturelle. Moi, j'ai vu de mes yeux. Et quand l'Afrique du Sud est devenue indépendante, ils ont réclamé le corps de la femme, de la Vénus en question, plus les organes génitaux. Ça a disparu. Le bocal a disparu au muséum d'histoire naturelle à Paris, ici à Paris. Voyez-vous que le comme quoi c'est de toutes ces histoires. Si la colonisation était bien, bien, mais donnez-nous le bocal. Voilà, la science même s'est intéressée à ça. C'était l'imaginaire sexuel du colonisateur. Parce que vous n'avez pas étudié l'imaginaire sexuel du colonisateur, l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Ils ont abusé et abusé des femmes africaines, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria. Oh, n'en parlons pas au Nigeria. Dans les cours de Ileife et chez les Yoruba et tout. Ils ont violé systématiquement chez les Peuls, les Borobolais, au Tchad, n'en parlons pas. Même ce que vous appelez l'ami, le nom du Ndjamena, c'était fort, l'ami a une résistance. Ce que vous appelez Rousset, fort Rousset, qui est devenu Owando, il y a une résistance contre M. Rousset. Voilà pourquoi on dit fort Sibut, fort Archambault, fort l'ami, fort Rousset. Il y a des points de résistance. Mais ces gens ont violé. Livingstone a fait la même chose. Stanley, Boulamatari, pire. De Brazza, la même chose. C'était pas un saint. C'est tous les explorateurs, tous, ils ont abusé des femmes. On n'a jamais étudié l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Voilà. Voilà pourquoi le cas de Brazza paraît étrange. Mais c'était commun. Baratti a fait la même chose. Le commandant Baratier, le commandant Marchand, surtout au Darfour là-bas, quand les marchands, oh mais n'en parlons pas, les belles filles du Soudan, mais c'est extraordinaire. Jusqu'à l'exposition coloniale, 1831, ils ont fait ça, ils ont fait ça partout, et notamment dans les cours d'Abomey, dans les cours de c'est partout. Le colonisateur, c'est un violeur de femmes. C'est ça. Où on n'a pas étudié toute l'histoire. On étudie simplement les compagnies concessionnaires, des blagues comme ça. Mais le comportement du colonisateur vis-à-vis de la femme colonisée, il a abusé de la femme colonisée, a violé, y compris Pierre Savoyan de Brazza. Il a fait ça dans le Goé, il a fait ça dans les plateaux Batéké, en B.